Vous allez rester planté là longtemps? On dirait que vous débarquez. Non, parce qu'on va en avoir pour la journée si je dois tout vous déballer. Hein. J'ai quelques vers à vous réciter. Ça colle pas mal à cette histoire de fou. Il paraît qu'il les récite souvent. Allez savoir pourquoi. Je ne demande qu'une seule chose. Je ne cherche qu'à habiter sa maison tous les jours de ma vie. Savourer sa douceur, rechercher son palais. Je ne prends qu'une seule route. Savoir quoi? Vous avez entendu, non? Il a fait son choix. Il a repris la route. Il connaît les risques, vous savez. C'est pas le genre de type super impulsif qui pète un câble et qui bute tout le monde sur un coup de tête. Ça, non. C'est plutôt l'inverse. Je l'ai croisé plusieurs fois du temps où il protégeait la gosse avec le katana. Mais ça doit faire quelques années maintenant. Je me rappelle pas de tout, mais je me souviens bien de sa casquette à la con, de ses chaussures avec la petite étoile dessus. Et de sa caisse tout droit sortie d'un début de siècle oublié. Je me suis même demandé comment ça se faisait qu'elle roulait encore. Le pire, c'est qu'il l'avait pas mal retapé, ce con. À l'époque, on le suivait à la trace. Il n'y avait qu'à suivre les cadavres. La petite au katana ouvrait les tripes de n'importe qui. En grandissant, elle a dû se calmer. Il y a un truc bizarre chez ce type. Je l'ai connu avant et après son délire à la con de Challenger. J'ai pas compris ce qu'il foutait au début. Personne n'a jamais su en fait. Il cache un paquet de saloperies. Il y a forcément une raison. Vous vous mettez à flinguer n'importe qui comme ça du jour au lendemain? Non, j'y crois pas moi. Il est trop intelligent pour ça. Même aujourd'hui j'ai du mal à me dire qu'il a étalé autant de cervelle sur les murs. C'est comme ses filles. Elles sortent de je sais pas où et elles le suivent comme des toutous. C'est louche. Ils claquent des doigts, elles discutent même pas. Tous des timbrés, je vous dis. Je vais être franc avec vous. Ce type avait arrêté ses conneries. Je sais pas ce qui le pousse à revenir, franchement j'en sais rien. Mais si vous voulez mon avis... Il va récupérer sa merdeuse adorée et d'autres personnes bizarres dans le même genre pour aller régler des comptes. Comme avant. J'en ai vu des saloperies, monsieur l'agent. J'en ai vu passer des allumés. Ce gars-là, c'est tout sauf un fou. Vous pouvez lui foutre toutes les récompenses sur le dos s'il est remonté dans sa caisse. C'est qu'il a fait son choix. Le Challenger est revenu.
Il s'est pas fait que des amis pendant tout ce temps. Revenir, ça veut dire aussi que ses vieilles connaissances risquent de passer lui faire un coucou. Il y a bien un type qu'il aurait préféré éviter. Mais il sait bien qu'il pourra pas faire sans. Ça fait partie du jeu.